suis d'accord avec Jean-Jacques. Il faut un revenu universel, tout le monde en parle aujourd'hui, enfin beaucoup de gens en parlent, et pas uniquement en France par rapport à l'élection présidentielle. Il faut un revenu pour, en France, à mon avis, de 700 à 750 euros de base, pour tout le monde. Il faut donc évidemment une économie qui soit normalisée, et donc progressivement, il faut que les salaires minimums, les charges sociales, notamment prioritairement celles des entreprises, soient mises progressivement de manière absolument égale. Alors ça demande évidemment à ce qu'un certain nombre de pays, je les cite un peu rapidement, Allemagne, France, Italie, Espagne, Portugal, pays du Sud, pays du Nord, Suède, Pays-Bas et Belgique. Je cite ces pays, je n'oublie pas les pays de l'Est, mais c'est plus compliqué, le niveau social n'est pas le même, le niveau économique n'est pas le même, mais c'est indispensable pour que cette fameuse phrase sur les grands équilibres, la concurrence libre et non faussée chère à l'Union européenne d'aujourd'hui, soit réellement mise en place.